Bonjour à toutes, bonjour à tous et très bonne année à chacun d'entre vous. Bienvenue au Saisie pour une émission placée sous le signe de la spiritualité avec la découverte de la pratique de la marche consciente. Vous inquiétez pas, il sera quand même question d'un topo de la semaine, du dossier sans oublier la minute matos et les plus belles images du web. Et ça commence tout de suite. Si la moyenne montagne a un peu tiré la langue en ce début de saison, les conditions au-dessus de 3000 mètres étaient assez bonnes en cette fin d'année. On s'est mis en tête de monter au bivouac de la Fourche, perché à 3684 mètres sur l'arête frontalière de la Brenva. Parti d'Elbronner, on contourne la Tour Ronde pour arriver au Cirque du Maudit. De là, une à deux heures de marche suffisent pour apercevoir le fameux col de la Fourche et son couloir de près de 200 mètres oscillant entre 45 et 50 degrés. Une belle remontée qui mène au col à 50 mètres à peine de la cabane de 8 places, bien sûr non gardée, et de son magnifique panorama sur la face nord-est du Mont Blanc. La redescente, quant à elle, se fait dans l'axe par 5 relais successifs de 50 mètres. Nous profitons de cet exercice de marche lente basé sur l'écoute de sa propre respiration pour vous envoyer vers le dossier de la semaine qui aujourd'hui traite des problèmes de la manœuvre saisonnière en ces débuts de saison sans forcément beaucoup de neige. Il s'agit là d'une saison bien mal commencée. En effet, selon Domaine Skiable de France, les stations de l'Hexagone ont enregistré fin décembre un recul de 20% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, année déjà très compliquée au niveau de l'enneigement. Une situation qui pousse aujourd'hui de nombreuses structures à retarder au maximum la date d'embauche des saisonniers. En Haute-Savoie, ce ne sont pas moins de 93 établissements qui ont déposé un dossier de demande d'activité partielle. Je prends l'exemple de ma station, on avait réussi en fait à différer les embauches jusqu'au 1er janvier. À partir de là, l'indemnité partielle, l'embauche partielle était mise en place à partir du 1er janvier. Ça touche 65 salariés. Et bien sûr, on espère que la neige vienne et qu'on retombe dans une disposition qui soit tout à fait engagée. Mais ceci dit, c'est toujours très délicat et très difficile, en effet, de quantifier le temps que cela représente et donc les aspects financiers qui en découlent. Dans ces cas-là, c'est donc l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage qui prennent le relais, garantissant aux entreprises concernées une allocation de près de 7,50 euros par heure chômée et par salarié. En contrepartie, l'employeur s'engage à verser une indemnité horaire égale à 84% du salaire net à ses salariés. Sur les aspects fiscaux et sociaux, la possibilité est donnée sur dossier de demander des reports d'échéance sociale, fiscale. Ça vaut pour les entreprises qui recourent à une main-d'œuvre salariée comme pour les entreprises indépendantes. Et puis la trésorerie, puisqu'effectivement certaines entreprises peuvent être ou collectivités peuvent être soumises à des tensions de trésorerie. La possibilité est donnée de faire garantir des prêts bancaires à court terme par la Banque publique d'investissement, voire même de demander un préfinancement du crédit d'impôt, compétitivité emploi qui est possible dès à présent sur les salaires 2016 voire 2017. Une situation qui pourrait encore empirer si aucune précipitation n'est prévue dans les prochains jours. Après 6 mois de sécheresse extrême dans les Alpes, la préfecture haut-savoyarde n'exclut pas la mise en place d'un plan d'action sécheresse limitant l'utilisation de l'eau dans le département et impactant encore plus la production de neige de culture sur nos pistes. Inspiration, transfert de poids, et on souffle, on respire, minute matos, transfert de poids, et on souffle. Bonjour et bienvenue chez Alternative Optique, spécialiste de l'optique du sport. Nous allons vous présenter aujourd'hui deux masques bien techniques qui abordent d'une façon bien particulière les trois problématiques de port par-dessus les lunettes de vue, d'évacuation de la buée et la non-formation donc de condensation et pour pouvoir skier en tout temps. Nous avons ici Jules Beau qui a développé un masque de ski avec un système de clipsage d'écran qui justement permet l'évacuation, la condensation quand vous faites de la marche d'approche ou du ski de randonnée. Et lorsque vous faites du ski, vous pouvez donc
refermer l'écran pour justement être bien isolé du vent et du froid. Donc c'est un masque aussi qui est portable par-dessus les lunettes de vue. Et ici, nous avons un écran qui va se teinter en fonction de la luminosité du soleil. À côté de ça, donc on a Smith qui, lui, a développé un masque de ski avec deux écrans différents. Donc un écran pour soleil et un écran pour le mauvais temps. Concernant la condensation, donc Smith a préféré mettre en avant un système de ventilateur avec deux positions. Et pour le port par-dessus les lunettes, il y a des encoches spéciales qui sont prévues pour. Et voilà, donc je le porte aussi par-dessus des lunettes d'une façon très simple. Donc ici, on a un masque Smith qui est au prix de 259 € avec ses deux verres. Et ici, on a un masque Jubo qui est au prix de 190 €. Donc le verre photochromique. On se retrouve donc ici en bas des pistes des saisies avec Hélène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnatrice en montagne et vous gérez entre autres toute la partie de marche consciente. J'ai envie de dire, en ce tout début d'année, après les fêtes, c'est la détox idéale. Oui, tout à fait. Une sortie qui va permettre de respirer en douceur, en profondeur aussi, hein, basée sur la respiration et aussi sur la posture. Et donc on va travailler à la fois sur le niveau physique et physiologique, donc en oxygénant, en respirant au maximum, oxygénant tout le corps. Et puis aussi à un niveau un petit peu plus spirituel pour ceux qui le souhaitent, avec la philosophie de la pleine conscience. Donc cette marche va permettre de pouvoir être vraiment présent là et de voir le paysage, d'entendre les oiseaux, de sentir les odeurs. C'est une pratique qui est née de plusieurs disciplines différentes, mais toutes qui ont quand même ce côté un peu oriental. Oui, alors disons que, comment moi j'en suis venue à ça, c'est que par ma pratique personnelle et professionnelle de la marche, forcément, par mon métier d'accompagnatrice en montagne, j'étais amenée à sentir des choses, à sentir une espèce d'état méditatif qui m'était donné par la marche. Et que j'avais du mal à transmettre aux gens qui participaient à mes sorties comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je trouve des petites techniques, des petits outils que j'ai été piocher dans des disciplines, effectivement, comme le yoga et comme le qigong que je pratique personnellement. Donc je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas prof de qigong, mais je pratique et je vais piocher des petites choses qui vont nourrir mes sorties, essayer de faire comprendre et de faire sentir aux gens ce que moi-même j'ai ressenti. Il y a un public cible ou ça s'adresse vraiment à tout le monde? Alors ça s'adresse à tout le monde, vraiment. Après, chacun va prendre au niveau qu'il le souhaite. Parce qu'on peut, démarrer et en même temps une sortie initiation pour celui qui a déjà pratiqué ou qui pratique déjà le yoga, le qigong ou qui a déjà fait des séances avec moi. Il va pouvoir aller plus en profondeur, plus en conscience aussi. Donc on peut vraiment être soit débutant, soit plus aguerri dans la discipline. Il n'y a pas de niveau, vraiment. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de posture, justement, oui. De respiration. Oui. Qu'est-ce qu'au final, ça peut apporter à la personne qui ne connaît pas, à la personne lambda qui veut essayer de se mettre un pas là-dedans? C'est de la sérénité, c'est justement... Oui, ça va être ça. Ça va être sérénité, ça va être arriver à déjà à se recentrer sur soi, à aussi éviter et libérer ses pensées, éviter les pensées récurrentes, donc se reposer de toutes ces pensées récurrentes, se reposer mentalement, se reposer physiquement aussi, en marchant, en douceur, en oxygénant, en respirant correctement. Si j'avais bien répondu, je ne sais plus si c'était bien la question près, du départ. Oui, oui. Mais justement, ce qui m'entraîne sur une autre question, ça se fait toute l'année concrètement? Oui, on peut pratiquer toute l'année. Quand il y a la neige, on peut faire en raquette. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a fait avec les crampons pour ne pas glisser sur les petites plaques de glace. On peut faire en pédestre aussi pendant l'été. Donc après, en pédestre, on va rajouter des choses. On va pouvoir faire, par exemple, des massages de pieds en fin de sortie, des massages du corps, des automassages du corps qui seront plus faciles parce qu'on est moins habillé qu'en hiver. Donc oui, tout à fait, on fait toute l'année. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces précisions. Merci, merci à vous. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Vous l'avez compris, hein, si vous aussi vous avez passé des fêtes de fin d'année un peu durailles, n'hésitez pas, la pratique de la marche consciente est faite pour vous. On se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web et nous on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc et d'ici là, prudence en montagne.
Chez On a cliqué pour vous, on avait aussi envie de rester dans quelque chose de contemplatif. Alors aujourd'hui, on va vous parler du travail de Gab707, ou Gab707, youtubeur canadien aux 5200 abonnés qui est actuellement en voyage en Europe et qui vient surtout, avec sa dernière vidéo postée depuis une semaine, d'atteindre le million de visionnages. On vous laisse apprécier en entier le résultat et on vous dit petit 1, Facebook Destination Montagne, petit 2, le replay, c'est sur le site de 8 Mont Blanc, et petit 3, à la semaine prochaine.